Salut chers internautes, bienvenue sur page Chantier familial, la rubrique Gestion de la vie familiale. Je dis à mes frères de parler sur violence conjugale. Qu'est-ce que la violence conjugale? C'est un ensemble d'actes, de propos, de comportements exercés par votre partenaire ou par votre ex-partenaire dans le but de vous contrôler, de vous dominer ou de vous détruire. La violence interdite est interdite par la loi, quelle que soit sa forme. Selon Wikipédia, la violence conjugale, c'est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple. Et il y a inscrit un rapport de domination et agression capable verbale, la violence psychologique, physique, sexuelle, des menaces, des pressions, des privations ou des contraintes capables de causer contre victime des dommages psychologiques, physiques et isolement social. Et jusqu'à ce moment-là, capable de mourir. Yo classe violence, discrimination, agression, maltraitance comme crime contre l'humanité. Eh bien, qui différentes formes de violence qui gagnent? Nous connaissons la violence domestique. Les femmes et les filles, yo plus victimes de violence. Et les personnes qui ont un handicap physique et ou psychologique ou mental quelconque, yo subi de violence. Eh bien, la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, la mutilation génitale. Et que ce soit ça, ce sont des formes graves de violation des droits humains que la loi condamne. Eh bien, la violence conjugale est différentielle principalement de tout ça, parce qu'il y a des chirurgies, des chicanes dans le couple. Le fait que un déséquilibre en répartition de pouvoir, eh bien, une partenaire a besoin de dominer l'autre. Eh bien, pour dominer l'autre là, il pratique la violence. Soit pour l'insulter, il y a différentes formes de voix et de violence en foyer. Que violence physique, comme ça, en tout cas, bien violence qui se fait sans blessure. Eh bien, il prend différentes formes. Soit psychologique, verbale, économique, physique, sexuelle, et il manifeste sous toutes formes ça. Que ça soit le viol conjugal. Lorsque le partenaire, il y a force ou fait sexe avec lui, ou bien foncer des actes sexuels sans que ou même pas consenti. Et l'elle impose pour faire sexe avec une autre monde, c'est l'exploitation sexuelle. C'est une sorte de viol qui est lié aussi. Les conséquences de la violence. Violence installée dans un foyer bien douce, et parfois de façon hypocrite, le monde qui a subi, il n'y a pas comprendre ce qu'il a fait là. Même tout le monde ça. Depuis le samedi, on commence dimanche ou à pied. Si depuis dans salon ou dans la galerie ou dans mon aller pas rentrer dans salon. À bon entendeur, salut. Eh bien, dans relation yo, il y a des violences qui peuvent s'installer douce. Dame n'a plein li dit mari a commencé jouer li rele le gars, jouer mon fou. Li parler le mal, li dit des bagailles et qui comme on a là commencer à grandir parfois fille à tout fait violence. Et ti moun commence à bailler des explications, soit à l'école, soit dans la rue, soit dans le voisinage. Il a dit que papa et maman toujours dans chez le pit, papa a dit des propos que pas de dire, maman a dit des propos, violence a commencé en ta famille, en ta foyer. Maintenant, qui conséquence violence? Une conséquence, ce sont des troubles anxieux. L'anxiété, il y a des troubles de sommeil également, mon cap subi violence, il y a des troubles de sommeil, capable y a des troubles alimentaires, côté appétit coupé, capable y a également des problèmes de concentration, mon cap subi pression familiale, violence familiale, il est facile pour capable gain problème pour concentrer, soit pour réaliser, pour performer, soit à l'école, soit au travail, soit dans le domaine quelconque, il a gain problème pour performer, il a gain des douleurs chroniques, également il a gain précarité financière. Précarité financière, on sait moyen la diminuer. Soit moun qui a fait victime n'a fait ça, ou bien les mêmes capacités de diminuer. A bien également des problèmes de dépendance. Moun sa a bien problème estime de soi parce que les moun a diminué le quoi. Il questionne est-ce que c'est vrai, il y a un niveau que le prétend, non? Et capable de gagner des idées suicidaires. Et bien, si moun autour pas épargné, si moun capable de gagner, ça capable de des gros conséquences sur ti moun. Conséquences, si moun n'a pas capable de l'école, si moun n'a pas tout. Capable connait si c'est fille il va subir violence puis devant la dit pas marier si c'est garçon tout capable tout dit pas marier tout comme ça tout capable dire faire ça pour faire plus mal si mon capable ça nous dépression ca ti mon capable perdre du poids ti mon capable tout et comment dirais-je reproduire violence surtout et capable gain décrochage scolaire and then
La violence, comment elle présente dans le foyer? Il faut une sorte de cycle. Le cycle de la violence, il y a quatre phases. Et pour l'agresseur et pour la victime. Pour l'agresseur, il y a une phase, ça nous l'attention. Tension, c'est quand l'agresseur a ligné des épisodes de colère, quand lui-même lui choisit de menacer le conjoint. Et puis il pèse, il relève le voile et puis lui-même exige l'autre pour faire silence. L'agression. Il agresse mon nom, viole mon nom, soit verbalement, psychologiquement, économiquement, physiquement, sexuellement. Il y a une autre phase qui c'est la justification. Il toujours cherche un moyen pour justifier le comportement ça que l'affiché. Et bien, l'agresseur, dans la dernière phase, il demande pardon, la réconciliation. Il y a même quatre phases qui c'est tension, et agression, justification, réconciliation aussi. Pour la victime, dans une phase de tension, côté que sentir l'inquiété, sentir que le climat est difficile pour lui, difficile pour lui tenter pour répondre, mais pas qu'à répondre, lui agresser tout, victime dans le sentir humilié lorsque l'autre a levé sous lui, et finalement, sentir triste, et bien, situation, lui injuste, et que l'autre a toujours gagné par rien. La justification, victime non, lui tenter pour comprendre l'agresseur là, plus que tête parle le plus souvent, malheureusement. Eh bien, lui pardonner lui, eh bien, la battre pour ses pour changer attitude lui, parce que lui vient un esprit de culpabilité. Tout ça, dans la société noire, il permet que, et en pile, mon cas victime de violence, le plus souvent, il met tes têtes en question. Le plus souvent, il a un doute de perception qui a été gagné via, il a perdu estime de soi, il a créé d'environnement, il a un mauvais souvenir des séquelles qui étaient dans la tête. Comment est capable de combattre la violence en société? Pour une façon de combattre en vie dans la société, c'est l'éducation. C'est pas l'éducation, moi ça me déformation que mon avons gagné sur le respect et la dignité humaine. Pour qu'on doit, pour qu'on le voit également. Et société de développement humain, il y a plus souvent des textes, des musiques, des paroles, des discours qui sont sanctionnés. Parce qu'on connaît que ça va le dénigrer, il va l'atteindre, il va le discriminer une catégorie de monde dans la société. Deuxièmement, c'est la loi, la justice, l'éthique de la justice, les droits du citoyen. Et parfois, même mon justice a prononcé des propos discriminatoires à l'égard de victimes le plus souvent. Et mon cas formule les requêtes le plus souvent, tout, il n'y a pas à prendre des mots exactement pour dire ça, comment ça doit faire. Et troisièmement, la solidarité. Il faut nous dénoncer et il faut nous sanctionner immédiatement là où il y a une violence conjugale, à quel soit niveau que d'ailleurs. En dernier lieu, c'est punition. La loi de gain renforcement de la justice. Les gens qui ont une peine qui est aussi lourde que pour le porter, ils ne peuvent pas violer un conjoint, ils ne peuvent pas violer une fille, un garçon, peu importe, ils ne peuvent pas pratiquer la violence conjugale. Merci, c'était Zambou, Pasteur James Exumé. Nous espérons que d'après jouer encore, je vous dis, on a parlé de violence conjugale, on a stable, parce que la carte société a la bien répercussion et sur l'agresseur, la victime, les enfants et toute la société. Merci. Portez-nous bien. Bye.